Le corner en direction du point de pénalty. Et ça y est, l'ouverture du score par cette équipe qui vraiment avait pris l'avantage depuis le début de la rencontre. Ah oui, c'est la plus entreprenante des deux. Elle cherche, elle tente et maintenant la voilà récompensée. Et c'est dedans, sans trembler. Ah oui, le bon ballon là. Le défenseur qui contre ce ballon. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Yılmaz est en train de remonter le terrain. Attention, ça peut faire but. Et c'est un but! Regardez cette frappe magnifique, parfaite, à ras de terre, très difficile à aller chercher pour le gardien. Il cherche Kylian Mbappé par-dessus. C'est clair que ce n'est pas la technique qui a primé sur cette action, mais enfin, peu importe. Hein. Ouais, mais comme tu dis, c'est bien aussi de savoir jouer simple, la preuve. Kylian Mbappé, le bon ballon, PSG qui marque, et ça fait 2 buts d'écart maintenant, 2 buts d'écart pour les Parisiens. Contre-attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition, je valide. Ah, il est passé, il file vers le but. Ah, et le but! Oh, le but, ils égalisent, bien joué! Angelo Fulgini. Et le but! L'ouverture du score dans ce match, 1-0! Ah, la passe en profondeur, attention. Il va être à bout portant. Oh, le but! Le but visiteur qui vient plomber l'ambiance ici. Qui vient éteindre le stade. Ça commence mal pour l'équipe locale. Une balle d'égalisation. Et ils reviennent dans le match avec ce but. Score de parité désormais. Attention, et le but! Ouais, le but qui permet à l'équipe locale de prendre l'avantage en fin de match. Oh, ça c'est un but absolument décisif. Il se rapproche du but adverse. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et le but! Eh oui, ça a touché le poteau et c'est rentré. Trouver une option disponible. Mais c'est le but. Dans l'axe, c'est dangereux. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. Ah, c'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Alors que le 4e arbitre a dit la tête. Et oui, le but!
Savagnier. Ah oui, la bonne passe. Elle muscule sur sa défense, cette équipe, et visiblement, ce n'est pas suffisant. Ouais, t'en fais pas, l'entraîneur va faire son cinéma, genre, je suis pas content. Mais au fond, c'est son système de jeu qui est en question sur ce but. Chercher une ouverture, bien sûr. Oh, il a de la place devant lui. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Et le but. Le Racing Club de Lens qui marque. Oh, il a fait le plus dur peut-être. Et ça fait but après un gros travail de harcèlement sur l'adversaire. Ils l'ont harcelé et ils ont porté le coup fatal. Fatal, j'en sais rien, mais pour revenir à ce but, tu as raison. Il doit tout à leur volonté de monter au pressing en permanence. Ça va les encourager à continuer. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Camara. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Il prend la frappe. Et voici un petit but de l'égalisation. Tout n'est pas perdu pour eux.